Then we jump to the situation in Niger. And here also we had important guests, the president of the ECOWAS Commission and the commissioner of the ECOWAS Commission for Peace and Security, and also the Minister of Foreign Affairs of Niger. And when I'm saying Niger, I am meaning the legitimate government of President Bazoum. We listened to their views on the situation in Niger and the Sahel, as well as the ECOWAS responses and intentions regarding the restoration of the constitutional order in Niger. The minister reiterated the strong condemnation of the military coup in Niger, called for the release of President Bazoum and his family, and to go back to the constitutional order. Permettez-moi de m'exprimer en français pour exprimer ma solidarité avec la France. Nous avons exprimé le plein soutien pour les efforts de la CEDEAO pour mettre un maximum de pression sur la junte nigérienne. Nous avons accordé suspendre l'aide budgétaire et la coopération en matière de défense et sécurité, pas seulement l'Union européenne, tous les États membres, et aussi l'aide, la coopération qui ne touche pas directement la population. Nous avons également décidé d'initier un processus pour la mise en place d'un cadre juridique de sanctions individuelles à l'encontre des putschistes, et nous sommes prêts à écouter les autres suggestions de la CEDEAO. Ils nous ont expliqué la situation sur le terrain et la manière dont la CEDEAO envisage la possibilité d'un déploiement militaire sur le terrain. Je répète, pour nous, African Solutions to African Problems.